Nasreddin Hoxha. Histoire de Kavuk. Un jour, un homme apporte une lettre à Nasreddin Hoxha. Cependant, ce n'était pas écrit dans un langage que connaissait le Hoxha. Celui-ci regarda la lettre, médita un peu et dit « Je ne peux pas le lire. » L'homme s'énerva quand il entendit cela et dit « Tu es un Hoxha, non? Si tu n'as pas honte de moi, et honte de ton kavuk. » Alors le Hoxha enleva son kavuk et le mit sur la tête de l'individu. Si ça ne dépend que du kavuk, alors lis-toi la lettre. Histoire de cercueil. Ils ont posé une question à Nasreddin Hoxha. Hoxha, de quel côté du cercueil devrions-nous être à l'enterrement? Nasreddin Hoxha a répondu à la question comme suit. N'entre pas à l'intérieur. Peu importe où tu vas. Histoire d'âge. Ils ont posé une question à Nasreddin Hoxha. Quel âge avez-vous, Hoxha? Hoxha a dit 40. La même personne a demandé quelques années plus tard « Quel âge as-tu, Hoxha ?» Hoxha a redit 40. « Alors, Hoxha, ton âge est toujours le même ?» Dit le Hoxha. L'homme ne rompt pas sa promesse. Un jour, un homme apporte une lettre à Nasreddin Hoxha. Cependant, ce n'était pas écrit dans un langage que connaissait le Hoxha. Celui-ci regarda la lettre, médita un peu et dit « Je ne peux pas le lire. » L'homme s'énerva quand il entendit cela et dit « Tu es un Hoxha, non? Si tu n'as pas honte de moi et honte de ton kavuk. » Alors le Hoxha enleva son kavuk et le mit sur la tête de l'individu. « Si ça ne dépend que du kavuk, alors lis-toi la lettre. » Ils ont posé une question à Nasreddin Hoxha. Hoxha, de quel côté du cercueil devrions-nous être à l'enterrement? Nasreddin Hoxha a répondu à la question comme suit. N'entre pas à l'intérieur, peu importe où tu vas. Ils ont posé une question à Nasreddin Hoxha. Quel âge avez-vous, Hoxha? Hoxha a dit 40. La même personne a demandé quelques années plus tard « Quel âge as-tu, Hoxha? » Hoxha a redit 40. « Alors, Hoxha, ton âge est toujours le même ?» dit le Hoxha. L'homme ne rompt pas sa promesse.